Le parc Relais Arts et Métiers est fermé depuis vendredi 1er février pour raison de sécurité, apprend-on, devant la grille baissée. Selon Keolis, qui gère le parking pour le compte de Bordeaux Métropole, une dalle de béton a bougé au niveau du premier étage. Des travaux urgents doivent être menés, peut-on lire sur le site de la métropole. Sollicitée, celle-ci ne peut nous en dire plus, tant dit-elle que l'expert n'est pas passé. Ce devrait être le cas ce jeudi. On saura alors peut-être quelles sont la nature et l'ampleur des dégâts et si, éventuellement, la structure qui date de 2004 est menacée. En tout cas, ce n'est pas la première fois que ce parc relais pose problème. En début d'année, il y avait quelques espaces, enfin, on ne pouvait pas se garer partout. Mais cette fois, il est complètement fermé et les quelques 600 places manquent aujourd'hui cruellement dans ce secteur, en plein cœur de la fac des sciences et technologies. C'est le cas pour Arnaud, comme pour d'autres usagers. Comme on prend la voiture, souvent ça peut nous embêter vu que justement comme il y a beaucoup d'élèves, il n'y a pas beaucoup de place. Enfin, je pense qu'il y a les gens qui travaillent aussi qui du coup viennent se garer ici, ce qui peut être normal aussi, il faut qu'ils travaillent. Et du coup ça fait des places en moins et pour se garer ça devient compliqué. Et des fois quand on arrive un peu plus tard que vers 9h, 10h, ça commence à être presque impossible de se garer. Donc. Bah effectivement, ce matin pour se garer ça a été difficile, j'étais obligé de me garer sur le trottoir. Donc voilà, je pense qu'il faut s'adapter à ce volume de véhicules, parce que si on ferme les parcs et qu'on empêche les gens de se garer, ça devient compliqué le matin. Aucune date de réouverture n'a pour l'instant été communiquée.